Bon, parle-moi de ce relais mixte, super important pour vous, parce que c'est une grosse, grosse chance de médaille. C'est vrai qu'on attaque demain ces championnats ici à Ripolding avec le relais mixte. C'est une course qu'on attend tous avec impatience et j'espère qu'elle va nous aider à tous à bien débuter ces mondiaux. Qu'est-ce que ça représente maintenant que c'est olympique, cette discipline ? Une discipline en plus, une discipline olympique, c'est beaucoup. Ça veut dire que c'est une chance de médaille en plus et ça, c'est pas négligeable. Donc c'est vrai que voilà, maintenant, c'est une discipline à part entière et qui a pris plus de valeur qu'elle pouvait en avoir les années précédentes. Demain, ça va être dur. Il va y avoir tous les meilleurs mondiaux qui vont être présents. C'est ça qui a changé un petit peu depuis quelques années ? C'est vrai que sur ce relais mix, depuis l'an dernier déjà, toutes les nations alignent leurs meilleures athlètes au départ. Du coup, c'est une course de très haut niveau et c'est ce qui fait que c'est un beau spectacle parce que demain, je pense qu'il faut s'attendre à un très beau combat sur la piste et au pâtir. Vous avez une nouvelle combinaison pour aborder ces mondiaux. Nouvelle combinaison, nouveaux objectifs, c'est ça ? Ah mais ouais, c'est vrai qu'on a une nouvelle combinaison, violette et jaune, faite par One Way, notre équipementier. Et comme vous le dites aussi bien, oui, j'espère que c'est ça qui va faire la différence. Et demain, je vais aller plus vite que tout le monde.